Nombre 13, nous lisons à partir du verset 16. Je pense qu'on pourra même commencer à partir du verset 1er. Yahvé parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de Yahvé. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben. Merci Victor. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issacar, Jikuel, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nakbi, fils de Vosphi. Pour la tribu de Gad, Geuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays de Canaan. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, depuis quelque temps, nous sommes sur la personne de Yeshua. Nous parlons de Yeshua dans tous ses aspects. Je crois que nous allons continuer comme ça jusqu'à son retour. Nous n'allons plus bouger. Voilà. Je crois que ce sont les derniers rouleaux que Dieu est en train de nous donner. Voilà. Pendant des années, on a parlé sur la dîme. C'était pour préparer le chemin, balayer un peu. On a parlé des bâtiments, tout ça. C'était pour balayer. Maintenant, nous voulons nous focaliser sur l'essentiel, sur la personne qui sauve. Parce que cette génération a besoin d'être sauvée, d'être délivrée. Oh oui, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Moïse, il choisit 12 princes, des hommes de renom, des hommes qui étaient connus, respectés par leur, n'est-ce pas, tribu. Et il les envoie tous pour explorer le pays de Canaan. Et parmi ces hommes, il y en avait un qui s'appelait Osée, qui était de la tribu d'Éphraïm. C'est-à-dire, Osée, pour votre information, avait aussi du sang africain. Parce que son ancêtre, Joseph, avait épousé une femme africaine, une égyptienne. Alléluia. Enfin, c'est juste pour votre information. Et Moïse va prendre Josué comme, n'est-ce pas, chef de la tribu de Manassé, de la tribu d'Éphraïm. Et la Bible dit, avant de les envoyer, Moïse change le nom d'Osée en Josué. Osée signifie Yahvé ou l'Éternel. Non, Osée signifie salut, pardon. Salut. Mais par contre, Moïse va changer ce nom-là, parce que salut, c'est bien quand on parle du salut, mais il faut aussi parler de la personne qui sauve, qui apporte le salut. D'accord? Donc, Osée signifie salut. Et Moïse va changer son nom en Josué, et littéralement Yehoshua. Alléluia. Qui veut connaître Christ dans tous ses aspects? Je crois que c'est tout le monde, hein? À part les sorciers, bien sûr. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est grâce à nous, l'Église, que vous, les sorciers, vous allez découvrir Jésus, que vous découvrez Jésus. Paul dit dans Éphésiens 3:10 que les dominations et les principautés dans les cieux connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dis à ton voisin, c'est toi qui dois révéler ton époux à Satan, aux démons, aux sorciers, aux religieux, aux païens,
Donc, c'est une lourde responsabilité que tu as reçue de la part du Seigneur. C'est pas grave, mettez les chaises dehors là-bas, c'est pas grave. S'il faut déplacer des véhicules, on va les déplacer. Dieu est bon. Vous savez que nous sommes dans le réveil, hein? Aha. Pour votre information, frère, le 21 décembre, une nuit terrible qui se prépare. Ah oui. Dans une salle qui peut contenir plus de 2000 personnes. Nous avons été, pour votre information, nous avons été la visiter cette semaine. Quand nous sommes rentrés dedans, on s'était pratiquement perdu. C'était tellement c'est immense. On se disait, Seigneur, mais là, c'est chaud, là. Là où tu nous amènes, là, c'est chaud. C'est vrai qu'on a cherché, on a voulu avoir des tentes pour faire des réunions dehors, mais ce n'était pas possible. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il y a tellement de gens qui sont touchés ici et là qu'il nous faut un endroit beaucoup plus grand, non pour avoir une église, mais pour des réunions de réveil, parce qu'il y a de plus en plus de malades qui veulent sortir des hôpitaux pour venir. Alléluia, pour votre information. Dieu est en train de nous précéder. Alors, quand on a vu cette salle, on s'est dit, bon, Seigneur, c'est terrible. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème, je peux vous la louer, il n'y a pas de souci. Mais elle est réservée, elle est occupée, elle est réservée jusqu'en septembre 2013. Donc il y a juste la date du 21 qui était disponible. On s'est dit, OK. Cette salle fait le double de la salle Europe à Saint-Denis. Vous savez, la salle dans laquelle il y a eu la réunion Église, où es-tu? Alors, cette nuit en dormant, il y a un pasteur qui me disait dans une vision, eh ben, la conférence, là, il faut la faire. La nuit prophétique, là, la nuit, là, tout ça, là, il faut l'organiser dans cette salle. Et une sœur m'envoie un mail d'Allemagne, une sœur qui a vraiment des dons prophétiques. Elle me dit, eh ben, que Dieu soit béni, parce que quand j'ai entendu sur TV des vies qu'il va y avoir, n'est-ce pas, une conférence, eh ben, c'est vraiment la confirmation parce que Dieu m'a parlé, il faut organiser ce programme à la fin de l'année. Waouh! Vous êtes d'accord pour qu'on se lance tous ensemble, frère? Pour que les nations convergent enfin de proclamer haut et fort le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Qui sont ceux qui sont d'accord, frère? Déjà, je crois que toute la France va converger là ce jour-là. Toute l'Europe, frère, au nom de Yeshua. Alors, c'est OK. Mardi, nous avons rendez-vous pour finaliser tout. Et on va la prendre. Nous voulons rester toute la nuit avec nos frères et sœurs qui viendront de partout pour proclamer haut et fort le retour du Seigneur. Tous ensemble, nous allons prier pour qu'il revienne. Comme la parole le dit, et l'Église et l'Esprit disent, viens. C'est ça le thème de cette conférence, cette nuit, nuit prophétique. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Nous voulons maintenant précipiter le retour du Seigneur. Parce que la parole le dit, hein, c'est nous qui devons l'appeler. Nous ne voulons plus rester sur terre. Nous sommes fatigués de la terre. Il y a trop de crises. Il y a trop de chômage. Les hommes n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Et nous voulons maintenant faire intervenir le roi des rois pour qu'il règle tout ça au nom de Yeshua. Il n'y a que lui qui mettra fin au chômage. Qui le croit? Alléluia! Donc nous avons une réunion prophétique pour présenter à la France le roi des rois qui mettra fin à la crise économique. Pendant que les nations se préparent pour recevoir l'homme impie, nous nous préparons justement pour partir. Gloire à Dieu. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je suis d'accord. Et mon Dieu est d'accord. Donc, nous aimons la France, n'est-ce pas? OK, Josué. Yéhoshua. Moïse savait que seul Yéhoshua pouvait faire introduire, n'est-ce pas, les enfants d'Israël dans leur promesse, dans la terre de Canaan. Et en fait, pour la première fois dans les Écritures, le nom de Yéhoshua a été utilisé. C'était avec justement Josué. Écoutez bien l'enseignement et veillez bien sur les enfants, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on touche sur la divinité de Yeshua, Satan s'excite. Ça l'énerve.
Parce que vous savez que plus on révèle Christ à l'Église, plus les maladies quittent les corps. Vous devez le savoir. Vous savez, depuis que j'ai commencé l'enseignement sur la divinité de Yeshua, Satan m'attaque d'une manière là, il ne veut pas que j'en parle. Mais il n'a pas, j'ai pas le choix. Donc, Yeshua veut dire Yahvé, comme on l'a vu, Yasha. Yahvé sauve. Yahvé sauve. Les hommes ont besoin d'être rachetés. Les hommes ont besoin d'être délivrés, guéris. J'ai besoin d'être délivré. De quoi? Eh bien, frère, du monde, du péché. On est délivré, c'est vrai, mais tous les jours, l'ennemi nous attaque. Vous savez, nous sommes délivrés grâce au Seigneur. Toi et moi, nous avons tous besoin d'être délivrés. Tous les jours, Dieu nous délivre. Des attaques de l'ennemi, des pièges de l'ennemi. Oui, on a besoin d'être délivrés par le Seigneur tous les jours. Nous sommes délivrés, certes, je te délivre par rapport au péché, oui, c'est clair. Mais frère, les pensées impures que l'ennemi nous envoie, les attaques des pensées pour nous amener à la dépression, tout ça là, le jour où Christ reviendra, ben, nous en serons totalement délivrés. Et voilà pourquoi, pour être délivré du péché, du monde, de la religion, de la chair, de ta chair, être délivré des coutumes et traditions. Parce que beaucoup prient dans les églises, mais sont toujours attachés aux traditions. Lorsqu'on perd un homme, par exemple, on perd quelqu'un de sa famille, on va dire, bon, 40 jours après, on va faire encore une fête, tout ça. Mais ça, là, c'est tradition. Ce sont des traditions qui amènent des démons dans vos vies. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ce soir, c'est la délivrance. Frère, si quelqu'un décède, Dieu est souverain. S'il enlève son serviteur, sa servante, il fait ce qu'il veut. Mais nous qui sommes restés, pourquoi rester encore dans les traditions bizarres au point où on ouvre des portes aux démons qui viennent nous attaquer comme pas possible? Et pour être délivré de ces choses, on a besoin de la révélation du nom de Yeshua. Alléluia. Que l'équipe de TV de Vie filme aussi les frères qui sont dehors là-bas pour que les gens voient ce réveil, comment Dieu est en train de visiter son peuple. Merci Seigneur. Parce qu'il ne faut pas les pénaliser. Dieu est grand, Dieu est magnifique. Vous savez, quand on a commencé à vivre le réveil à Évry, il y a 13 ans de cela, eh bien, on était comme ça là dehors. Ceux qui sont avec moi depuis Évry, quand on a commencé l'œuvre, là, se rappellent bien, n'est-ce pas Gilbert, mon frère? On avait des chaises comme ça là, dehors, les gens étaient dehors, et Dieu s'est manifesté comme pas possible. Et je suis convaincu que ce Dieu va toucher quelqu'un ce soir. Qui le croit? Ce n'est pas un hasard si tu es venu, hein? Non. Yeshua, frère, la première fois où le nom de Yeshua a été révélé dans les Écritures, c'était un rapport avec les enfants d'Israël, avec leur héritage. D'accord? Avec leur héritage, le pays de Canaan. Moïse reçoit la révélation que seul Yeshua peut introduire les gens dans leur héritage. Ce n'est pas ton père, ton pasteur, ton apôtre qui peut te faire entrer dans ton ministère, dans ton héritage, dans le ciel. Seul le nom de Yeshua. Frère, on a tous pendant des années couru après les pasteurs, les églises. L'heure est arrivée enfin où le nom de Dieu doit être révélé aux hommes. Alléluia! L'heure est arrivée enfin. Le Dieu qui opère des signes dans ma vie est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut également agir dans ta vie. Mais le problème, c'est la révélation. Beaucoup de gens connaissent leur pasteur. Ils connaissent leur pasteur de A à Z, mais ils connaissent pas Jésus. Non, moi, je suis avec un homme de Dieu. Je suis avec un homme de Dieu. Je travaille avec un frère. Personnellement, je m'en fiche. Tu peux me parler de ton homme de Dieu matin, midi, soir. Je te dirai, écoute, arrête de me casser les oreilles. Mais si tu me parles de celui qui était mort et ressuscité, là, on va s'entendre. Parce que je veux que tu me dises ce qu'il fait dans ta vie. Comment il te parle. Et là, Josué, maintenant, était accompagné, n'est-ce pas, de Yeshua. Bien sûr, Josué. Et frère, écoutez.
Josué. Quand vous lisez le livre de Josué, dites-vous que c'est le livre aussi dans lequel Yeshua, notre Seigneur, s'était révélé. D'accord? Vous devez le savoir. Ce livre-là, parce que Josué, quand il a reçu ce nom, il a reçu en même temps le mandat pour écrire ce livre. Et en lisant ce livre, on découvre les aspects de notre Seigneur, le Messie. Josué, Yeshua a donné en français. Bien sûr, Yeshua a donné en français Josué. Et en grec, Jésus. Et en français, Jésus. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre? Comment Christ, notre Seigneur, s'était-il révélé à ces hommes qui devaient rentrer dans leur héritage? Frère, cette histoire nous concerne, hein? L'histoire des Israélites ici. Ils étaient dans un désert et ils devaient rentrer en Canaan. Mais le problème est que pour y entrer, il y avait des confrontations, une guerre qu'il fallait livrer. Ou je dirais des guerres. Tu crois que tu vas rentrer au ciel comme ça? Tu te trompes. Pour rentrer au ciel, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ne crois pas que parce que tu as confessé, tu as répété une prière, Seigneur Yeshua, je te reçois dans mon cœur, je te reçois, et c'est fini, c'est réglé. Non! La preuve en est qu'après cette prière, tu te rends compte que ta chair est toujours là. Qui l'a remarqué? Ah ouais. Dis à ton voisin, la guerre commence. Bah oui. Tu crois que tu vas conquérir Jéricho comme ça? Hein? Tu vas conquérir Haï? Hein? Comme ça? Tu vas conquérir comment la Palestine comme ça, sans guerre? Mais tu ne veux pas rentrer au ciel comme ça en croisant les bras, en t'asseyant confortablement dans ta, je sais pas, dans ton assemblée locale, en écoutant régulièrement ton bishop. Tu n'as pas compris que depuis le jour où tu t'es converti, ta vie a basculé. Ta vie devient beaucoup plus difficile que quand tu étais païen. Ben oui. Qui l'a remarqué? Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as reçu le message du temps, la vérité, le retour à la parole, tu as plus d'ennemis qu'avant? Qui l'a remarqué, frère? Sorcier, c'est toi? Secte, c'est toi? Gourou, c'est toi? Magicien, c'est toi? Engrosseur de femme, c'est toi? Le pire, c'est qu'on ne peut plus faire marche arrière. Il y en a qui se disent, Seigneur, pourquoi tu m'as fait entendre ce message? Mais là, je ne suis plus tranquille. Avant, quand j'étais dans ma religion, j'étais tranquille, à l'aise. Maintenant, depuis, je suis obligé de crier pour que les gens m'écoutent. Et encore. Ma soeur, là, t'as changé. N'étais plus comme avant. Ce sont les chrétiens qui parlent comme ça. Hein? Mais t'es dans une secte, mais t'es complètement. Elle est complètement barjot, là. C'est... Eh bien oui, c'est normal. Ça veut dire que tu es en train de livrer une guerre. Mais livrer une guerre pour posséder son territoire sans Yeshua, c'est risqué. Frère, vous croyez que si je n'étais pas accompagné par Yeshua, je serais encore debout comme ça, là, en train de vous parler? Mais attendez, j'aurais fait des AVC, je ne sais pas combien de fois. Je vais vous dire la vérité, frère. Ne croyez pas parce que je suis fort. Je suis naze. Dis à ton voisin, ce monsieur est naze. Je vais utiliser ce terme-là pour vous montrer à quel point je suis zéro. Vous croyez quoi? C'est moi? C'est pas moi, c'est pas parce que je suis, je ne sais pas comment, là. Tout est grâce. Tout est grâce. Si Yeshua n'était pas avec moi, mais les sorciers qui sont là auraient déjà envoyé un démon d'AVC, un démon de paralysie. Ils m'auraient envoyé une sirène qui m'aurait fait tomber. Une sirène, une belle femme, séduisante. Pas forcément belle parfois, mais remplie de... remplie d'onction satanique. Mais si on est debout. Frère,
C'est parce que quelque part, il y a un homme qui est debout. Hein? C'est ça mon secret, frère. Tu ne vas pas couper mes 7 tresses. Dalida, tu es vaincu au nom de Yeshua. Frère, conquérir Canaan, il faut recevoir la révélation du nom de Yeshua. Qui est Yeshua pour toi? Hein? Et Josué reçoit la révélation de Yeshua et il pouvait maintenant confronter les démons, les divinités cananéennes. Les Cananéens avaient plusieurs divinités, frère, pour votre information. C'était des démons terribles. Vous savez, une fois, nous sommes allés à Martinique, il y a 12 ans. Nous avons fait une mission à Martinique. Et nous avons été priés toute une nuit. On avait un véhicule, on a fait toute la Martinique. Et on a prié dans des endroits stratégiques de l'île. Où Dieu nous montrait qu'il y avait des puissances bizarres, des puissances territoriales. Et on allait prier là-dessus. Vous voyez, on allait prier parce que l'île était comme liée. Et il n'y avait pas le message véritable. Les gens étaient de la religion, beaucoup de gens étaient extorqués, dépouillés par des faux pasteurs. Je me rappelle, on était 4 personnes, dont une sœur avec nous, une femme de Dieu. On a été priés là-bas, on a prié toute la nuit. Mes amis, moi j'étais équipé. Mais la sœur qui était avec nous n'était pas équipée. Il y en a une qui n'était pas. Cette femme-là, quand on est revenu en France, elle est tombée gravement malade. Elle était frappée comme pas possible. Elle avait de l'arthrose. Les démons d'arthrose ont attrapé son corps. Son corps se déformait. Et en plus, on avait fait la délivrance d'une femme qui était tellement possédée et elle lui avait imposé les mains. Vous ne pouvez pas rentrer à Canaan, hein, un endroit fortifié, contrôlé par des démons, sans Yeshua. Mais vous allez mourir, frère. Un frère m'a dit il y a quelques jours, il m'a dit, si Dieu n'était pas avec toi là, tu serais mort depuis. Si tu n'étais pas vrai, on t'aurait déjà tué avec tous les combats que tu as. Ben, bien sûr, parce que quand les gens disent comme ça, là, on livre Shora à Satan, vous croyez quoi? Mais si ça libère les démons, mais si Jésus n'est pas avec toi? C'est pour cela, avant de dénoncer Babylone, assure-toi que Dieu est avec toi. Parce que quand Babylone va t'attraper, pour votre information, beaucoup de pasteurs sont dans la sorcellerie ici en France. Mais il y a beaucoup qui sont dans la Rose-Croix. Beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, vous devez le savoir. C'est dedans. Les prêtres n'en parlent même pas. Et vous arrivez comme ça, vous, avec un message pour libérer les chrétiens de la religion. Mais attendez-vous à des attaques incroyables. Et c'est ce que Josué vivait ici. Il devait aller à Canaan, chasser les Cananéens, afin de donner leur territoire aux Hébreux. Mais vous croyez que les démons qui étaient à Canaan allaient rester comme ça, les bras croisés? Non! C'est pour cela que Moïse lui a dit, il te faut Yeshua. Frère, Jésus est le seul homme et le seul Dieu à s'être introduit dans le camp de Lucifer, dans le camp de Satan en personne. Il est allé, la Bible nous dit qu'après son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé où? Dans un désert. Mais pourquoi faire, frère? Il est allé confronter. Quand les démons le chassent, là, ça va dans les déserts. Et c'est là que Jésus est allé pour les fouetter. Et il allait les chercher dans les synagogues, au point où il lui disait, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu juste pour nous troubler. C'est-à-dire que les démons avaient élu domicile dans les synagogues, comme les démons ont élu domicile dans les hôpitaux aujourd'hui, dans les synagogues démoniaques, dans les églises. Et vous recevez le message du temps. Et vous allez maintenant voir vos pasteurs, voir vos amis chrétiens pour leur annoncer l'évangile pur. Mais préparez-vous. Ben oui! Préparez-vous. Hier, un frère m'envoie le lien d'une vidéo où un pasteur charlatan qui vient de la Côte d'Ivoire enseigne des hérésies. Mais hier, là, j'étais choqué. Il dit que la dîme, le monde a été fondé sur la dîme. Il dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça la dîme. Frère,
Il dit que Satan a été chassé du ciel parce qu'il n'a pas payé la dîme. Frère, non, que Dieu suscite des courageux, des frères et sœurs qui ont le mandat comme Josué ici. Mais ne va pas livrer la guerre aux Cananéens si tu ne t'appelles pas Josué. Si tu t'appelles Osée, attends d'abord que ton nom soit changé. Parce que Osée, salut. Tu vas aller voir les Cananéens pour dire je m'appelle Osée, salut. Ils vont dire, ben oui, mais qui est derrière le salut là? C'est Bouddha? Bouddha ne peut pas sauver. Là, ils vont te fouetter. Mais si tu arrives avec le nom de celui qui sauve, c'est-à-dire Yahvé, salut. Posez-moi la question, pourquoi Moïse avait-il changé le nom d'Osée en Josué? Pourquoi? Donc, il y a plusieurs réponses. Hein. Premièrement, parce que les Cananéens avaient plusieurs dieux. Josué 24. Il n'y a pas de ventilateur là qu'on a là? Ici là? Derrière, on peut l'allumer là, non? Josué 24. Nous lisons du verset 1er au verset 3. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Yahvé Elohim d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient qui? D'autres dieux. Écoutez ici, c'est terrible ce qu'on apprend ici. On nous dit que le père d'Abraham, Térakh, adorait plusieurs divinités. Et l'une des divinités principales des Babyloniens, c'était le dieu Bel. Bel a donné plus tard Baal, le dieu ou le seigneur des mouches, le seigneur, n'est-ce pas, de la pluie. Et Baal a donné plus tard Baal-Zébul, le prince des mouches. Les mouches dans la Bible sont, enfin, représentent en fait les démons. Donc, Belzébul ou Belzébub, c'est Satan en personne. Donc, les Babyloniens adoraient Satan en personne. Ils avaient également une autre divinité du nom de Nébo. Nébu ou Nébo. Et ils en avaient plusieurs. Et Térakh, père d'Abraham, adorait le prince des ténèbres. D'accord? Maintenant, les Hébreux, qui avaient cet héritage-là aussi, parce que Térakh, n'est-ce pas, t'es tellement idolâtre, on va dire sataniste, parce que quand on adore Bel, Nébou ou Nébu, ben, on ne peut être que sataniste parce que, frère, il pratiquait l'occultisme pour votre information. Et Dieu dit à Abraham, sors de là. Il le sort de là. D'accord? Et maintenant, Abraham, comme vous le savez, va avoir Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, les 12 enfants qu'il a eus, 13, Dina, la fille. Et ces 12 enfants ainsi que Jacob descendent en Égypte. Et les Égyptiens, ben n'en parlons même pas. Ils avaient aussi plusieurs démons, plusieurs divinités qu'ils adoraient. Le dieu soleil, le dieu Ra. Il y en avait plein, 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 plein. Donc, les enfants d'Israël, quand ils arrivent en Égypte, ils voient plusieurs divinités qui étaient adorées. Pourtant, Dieu avait révélé son nom à Abraham. Et maintenant, vous vous rendez compte? Donc, il y a d'abord les Babyloniens, les divinités babyloniennes, hein, babyloniennes, les divinités également égyptiennes,
Et puis, il y avait les divinités également, cananéennes. Donc, les Hébreux avaient déjà un héritage démoniaque par Térakh. Ils vont en Égypte, ils rencontrent encore d'autres démons. Ils sortent de l'Égypte pour aller à Canaan. Les Cananéens aussi adoraient plusieurs démons. Et l'une des déesses que les Cananéens adoraient, c'était, n'est-ce pas, il y avait Baal, bien sûr. Il y avait également, mes amis, Astarté. Astarté, le dieu du sexe. Vous vous rendez compte? Trois nations mélangées. Babylone, l'Égypte et également Canaan. Vous vous rendez compte? Et les Hébreux étaient au milieu de tout ça. Et il fallait à tout prix que le Dieu véritable révèle son nom. Parce que Yahvé était adoré malheureusement comme les autres. En fait, il était au même niveau. Les Hébreux l'avaient mis au même niveau que les autres divinités. Et c'est pour cela que Moïse a pris soin de révéler le nom du véritable Dieu à Josué, à Osée. Nous sommes dans la même configuration actuellement. Vous avez vu, frère, les divinités qui nous entourent actuellement? Mais il y en a tellement! Rien que l'hindouisme compte 30 millions de dieux. Hein? Rien que l'hindouisme, 30 millions. Et parmi les divinités principales de cette religion, vous avez Shiva. Il y en a tellement. Je suis en train d'écrire un livre sur, dont le thème est « Le blé est livré ». Mes amis, je m'aperçois qu'il y a tellement de religions sur Terre. Mais à part les religions autres que le christianisme, qui est également une religion, mais regardez dans la chrétienté actuelle, il y a tellement de dieux. Il y a le dieu argent, Mammon. Ce dieu a pris la place centrale, la place qui revient à Jésus. Les pasteurs des pasteurs lui ont donné gratuitement cette place. Le dieu argent, monnaie. Et vous savez que monnaie, moneta, à la base, ce nom, le nom monnaie vient de Junon. Junon, chez les Grecs, était l'épouse et la sœur de Jupiter. Ou Zeus. Et Junon était également la protectrice de la monnaie, de l'argent. Junon a donné juin. Donc, l'argent est devenu un dieu auquel on rend un culte, un dieu qui a établi ses forteresses dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Un dieu qui est à la base de la prostitution. Les gens vendent leur corps pour de l'argent. On va photographier les seins nus d'une princesse pour de l'argent. Voilà notre monde. Ce à quoi nous sommes réduits. Et la personne responsable de ce journal est une femme. Et elle va justifier également ce comportement. Mais je me dis, mais même les femmes ne réfléchissent même plus. Une femme qui va prendre des photos d'une autre femme pour pour exposer ses nichons, hein, sa poitrine devant tout le monde, et elle trouve ça normal. Le corps de la femme est devenu comme un objet sexuel. Tout ça, pourquoi? Parce que derrière, il y a l'argent.
Alléluia. Pourquoi il y a autant de divisions dans les églises? Des gens qui partent en rébellion, qui vont commencer leur PME et qui appellent les ouailles pour venir les rejoindre. Tout ça pourquoi? Pour l'argent. Parce qu'un vrai homme de Dieu fuit l'appel. Alléluia. Un vrai homme de Dieu dit à Dieu, Seigneur, non, comme Jérémie, envoie quelqu'un d'autre. On n'a pas vu Jérémie prendre son téléphone, appeler les oies pour dire, venez avec moi, venez. Au contraire, il se sauvait. L'argent. Alléluia. Frère, à part le Dieu argent, nous avons le Dieu matériel. C'est un Dieu. Nous voulons aller au ciel. Eh bien, frère, il faut se préparer. Le Dieu sexe. Vous avez vu toutes ces femmes qui sont presque nues. Ces hommes qui sont complètement efféminés. Habillés par les homosexuels. De plus en plus de jeunes, même des jeunes de cité, deviennent efféminés. S'habillent avec, je ne sais pas, des slim. Hein? On voit leurs caleçons, leurs sous-vêtements, sur le monde à l'envers. Alléluia! Ouvrez les oreilles, vous allez bien écouter ce message. Il y a plusieurs divinités. L'homme est devenu divin aussi. L'homme a été divinisé par ses semblables. L'homme, la Bible dit dans Romains 1, les hommes adorent et servent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez vu comment les gens sont en transe devant les musiciens chrétiens lors des concerts soi-disant chrétiens où Dieu est censé être adoré. Les gens sont en transe. Oh, quand les musiciens rentrent, ils ne se rendent même plus compte qu'ils vouent un culte à ces starlettes de l'an 2000. C'est pour cela qu'il faut des messagers comme Élie avec l'épée pour couper la tête de tous ces faux prophètes avec la parole. Alléluia! Pour pouvoir préparer des grands mariages, deux limousines, hein, pour une fête qui ne dure que 4 heures, 5 heures. Et vous avez vu comment ces femmes s'habillent, ces sœurs qui s'habillent proprement dans les réunions d'église, on les voit là-bas, la sérénisée bien comme il faut. Des caleçons bien serrés, des mini-jupes qui arrivent ici, des véritables sirènes des eaux. C'est pour cela que je me suis dit, moi, les mariages, je ne veux plus. Ça fait des années. Parce que c'est des lieux de débauche, de débauche totalement, maintenant. Vrai ou faux? Ben oui, vous êtes là, vous êtes conscient. Frère, il y a tellement de dieux, à part le péché, à part les démons, eh bien, il y a les religions, il y a les hommes.
Vous avez le kimbanguisme. Ils disent que Simon Kimbangu est Dieu. C'est un prophète congolais. Vous avez, n'est-ce pas, il y en a tellement. Simon Otoko, on dit que Simon Otoko est Dieu. Un congolais, un prophète angolais. Eh bien, il y en a qui disent ce Bouddha. Ben, à part ça, dans les églises évangéliques, vous avez aussi des dieux. Le pasteur et sa femme qui ont créé leur ciel et leur trône et leurs 24 vieillards autour d'eux et leurs 4 êtres vivants. Ils ont une chorale remplie de chérubins. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici, frère? Toi, tu es de quelle église? Ah, moi, je suis de la manne cachée. Nous, chez nous, la manne, encore est cachée. La manne est encore cachée chez nous. Et toi, tu es de quelle? Eh bien, moi, je suis de l'ANJC. Je ne cesse de dire aux gens, moi, je ne suis pas dans l'ANJC. Mais quelqu'un va m'écrire pour dire, frère, moi, je quitte l'ANJC. Mais je lui dis, ça fait 10 ans que je te dis, je ne suis pas dans l'ANJC. Comment vous ne voulez pas comprendre les choses? C'est tellement facile à comprendre, frère. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Et parfois, je me dis, Seigneur, je veux disparaître. Il dit, non, il faut régler, il faut courir. Mais c'est pas... Mais il faut... Oh, Seigneur, aide-nous. Vraiment, le peuple, là, parfois, là, vous nous rendez la tâche difficile. Alléluia! Non, on va vous libérer de toutes ces divinités. Qui le veut? Frère! Maintenant, il y a Simon Kimbangu qui concurrence Dieu. Il y a Aris qui concurrence Dieu. Bouddha concurrence Shiva, concurrence Dieu. Maintenant, au milieu de tout ça, qui est le véritable Dieu? C'est la question à laquelle il faut répondre. Vous allez dire à un musulman, ce n'est pas un tel. Il va dire, ok, mais prouvez-moi. Frère, je vous dis une chose. Jésus est le seul Dieu qui parle. Il est le seul Dieu qui guérit. Satan ne guérit pas, il déplace les maladies. S'il te guérit des maux de tête, le lendemain, ce sont les pieds qui vont être touchés. Les marabouts ne guérissent pas. Vous allez voir monsieur le marabout. Il va dire, ok, tu as quelle maladie? Oh, monsieur le marabout, je souffre des yeux. Ok, il va t'ausculter, il va voir qu'il y a un démon de cécité qui t'embête. Il va négocier avec le démon. Il va dire au démon, maintenant, quitte ses yeux. Va au niveau du dos. Comme ça, la personne va croire qu'elle est guérie. Et elle va devenir, comme ça, elle va être dépendante de moi. Et toi, tu as l'impression d'être guéri. Oh non, j'ai été voir un marabout, il m'a guéri. Oh là là, il est puissant. Tu vas faire sa pub. Et le lendemain, tac, sur le dos. Donc, comme tu as été guéri des yeux, tu vas repartir voir le marabout. Monsieur le marabout, cette fois-ci, ce n'est plus les yeux, ce ne sont plus les yeux, c'est le dos. Ok, il n'y a pas de problème. Démon de dos, jambe gauche. Alléluia! Et puis, un mois après, le démon des yeux dit, moi, je reviens encore. Et là, chaque mois, maraboutage. Mais la différence avec Jésus, je ne veux pas te parler du pape, je ne parle pas de Marie, tout ça. Marie, elle est morte, il faut la laisser tranquille. Dis à tes voisins, laissez Marie se reposer. Oh. Tu vas voir un prêtre, il va dire, bon, il faut faire 40 Ave Maria. Monsieur le prêtre, 40 Ave Maria, mais pourtant, Marie a été saluée une seule fois. Je te salue, Marie, je te salue, Marie, je te salue 40 fois. Est-ce que tu es Gabriel pour saluer Marie? La confusion. Dis à ton voisin, il y a la confusion. Ben oui, il y a la confusion. Les médecins sont devenus de Dieu. Ben oui, la médecine est devenue une science tellement adulée que chaque homme a son dentiste, chaque homme a son ophtalmo, chaque homme a son...
Ouh là 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 là. Les chrétiens ont tendance à appeler tout de suite un médecin quand ils ont un problème de santé. Ouh là, qu'est-ce que nous raconte ce monsieur-là? Assurance vie, assurance décès, une assurance qui ne peut pas te protéger de la mort. Ça sert à quoi? Moi, je veux te présenter un assureur qui va t'assurer pour l'éternité. Alléluia! Frère, je veux vous présenter le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu le veux? Tu vas mettre de côté ton Dieu. Maintenant, la différence, c'est quoi? Bon, Jésus arrive à Canaan. On lui présente Baal. On dit, si tu veux, tu as besoin de la pluie, voilà, Baal est là. Si tu veux que ta terre, n'est-ce pas, produise des fruits, n'est-ce pas, tu veux récolter, ben, c'est Astarté. Waouh! Donc, ça veut dire qu'il y a un Dieu pour chaque problème. C'est ça les divinités cananéennes. Comme chez les catholiques, vous avez un saint pour chaque problème. Vous avez des problèmes de cheveux, Sainte Louise. Alléluia! Ça, c'est juste un exemple. Hein? Vous avez des problèmes de dents, Saint Thomas. Non, ça, c'est le problème de foi. Saint Thomas. C'est grave. Et puis, si vous avez des problèmes thrombose, je ne sais pas, c'est Saint Jean-Paul II. Maintenant, vous allez dire quoi aux cathos? Vous allez dire quoi aux musulmans? Vous allez dire quoi aux bouddhistes? Venez à Yeshua, vous serez sauvés. Mais le bouddhiste va vous suivre chez vous, à l'assemblée. Il va venir s'asseoir confortablement. Il va voir que le pasteur dit, celui qui ne paye pas la dîme sera maudit. Oulô. Celui qui ne vient pas à l'église tous les dimanches ne peut pas aller au ciel. Oulô. Qui a sa carte de membre? Oulô. Il faut être impérativement dans le groupe des jeunes. Oulô. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas se convertir. Mais si Jésus se révèle à nous d'abord, frère, comme étant le Dieu saint, hein, vous n'avez même pas besoin de trop parler. Non. Les gens à votre contact vont être convaincus du péché. Quand vous allez commencer à annoncer la parole, toute votre famille va se convertir. Et on vous posera la question, est-ce que vous êtes prophétesse? Est-ce que tu es devenu pasteur? Ben non, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour avoir Jésus avec soi. Frère, actuellement, les nations ont besoin de Yeshua. Il faut que les nations entendent parler de Yeshua autrement. Je dis au Seigneur, Seigneur, si tu ne veux pas te servir de moi, dans ce cas-là, je rentre à la maison. Ça sert à quoi de gaspiller son temps ici sur terre si Dieu n'est pas avec toi? Jésus, le Dieu qui sauve. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'être sauvés. Vous n'avez pas vu combien les gens sont malades actuellement? Qui l'a remarqué? Mais il y a de plus en plus de cas d'AVC, de plus en plus de cas de cancer, de plus en plus de cas de folie. Vous allez rencontrer des gens qui sont beaux, belles, mais qui parlent tout seuls dans la rue. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est la crise. Alléluia! Frère! Même des jeunes hommes, 20 ans, ils ont déjà des cheveux blancs. Je dis, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, mais rien ne marche pour moi. Tout est bloqué. À ton âge, tu as déjà des soucis comme ça. Alléluia! Des jeunes de 20 ans qui se soucient de leur vie, de leurs parents, ils portent tout le fardeau sur leurs épaules. Oh non, mais à 20 ans, il faut que je pense à ma mère, à mon père, à mes frères et soeurs. À 20 ans, ils sont déjà grands-pères. Qui l'a constaté? Ben, je vous assure, frère.
Un jour, mon téléphone sonne. C'est un jeune de moins de 22 ans qui m'appelle, qui me dit, comment vais-je faire parce que, aide-moi, parce que je dois être, je suis jeune, mon père est décédé, mais je dois être père pour mes frères. Oula, 22 ans. C'est terrible, frère. Cette génération, les gens souffrent. Ils font semblant. On est là, on fait semblant que tout va bien. Ça va, pasteur, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il ne faut pas que tu sois menteur. Tu es malade, dis, pasteur, je ne suis pas bien. Qui ne va pas bien ici? N'ayez pas honte, hein? Ben oui. C'est pour cela que quand on adore comme ça, il y en a, ils ne peuvent pas adorer. Alléluia, alléluia. Il y a des regards qui accusent Dieu. Et c'est à cause de Dieu que je souffre. Il n'aurait pas dû me créer. Et maintenant, il m'a créé sans demander mon avis. Et en plus de cela, il m'empêche de me suicider. Sinon, je vais en enfer. Vraiment? Frère, il est Dieu. Dis à ton voisin, il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut, frère. Alléluia! Non, j'aime Dieu. Il dit à Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas dit, ah, je veux fuir à Tarsis. À Tarsis, frère, tu vas fuir où? Tu prends le bateau, Dieu dit, oh, vague, souffle, vent. Mais Jonas était tellement suicidaire qu'il va s'endormir profondément au fond du navire. Mais Dieu envoie quand même des gens pour aller le chercher. Allez, oh, lève-toi un peu là. Il dit, mais c'est à cause de toi là, c'est comment là? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, non, jetez-moi par-dessus bord. Suicide, allez, hop. Mais Dieu dit, tu ne vas pas te noyer. Non, non, non. Je vais t'envoyer une baleine. Hein? Un grand requin. Allez, vas-y. Voilà un requin qui n'a pas mangé depuis 2 mois. Qui... Ah, quelle nourriture! Il avale Jonas. Et Jonas dans le ventre. Là, quelle prière, frère. Tu n'as pas encore bien prié, tu vas voir. Tu n'as pas encore véritablement adoré Dieu. Tu vas l'adorer dans le ventre de ce poisson, bientôt. Là, ce qui t'arrive, là, c'est juste une préparation. Dieu te prépare seulement dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. Jonas était là en parlant langue. Vous avez vu, il a répété tous les psaumes. Hein? Oh, l'éternel, oh, oh, l'éternel, oh, l'éternel. C'est quand tout va mal que commence à adorer Dieu. Oh, Dieu, oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais quand tu es en bonne santé, tu n'adores pas. Et une fois qu'il a adoré Dieu, Dieu parle aux poissons. Frère, les poissons écoutent Dieu. Jésus est le seul Dieu qui peut parler aux poissons, qui peut parler aux lions, qui peut parler, frère, aux serpents. Et les animaux obéissent, frère. Au nom de... Frère, Bouddha peut parler au lion. Le lion va rugir. C'est-à-dire, Bouddha, tu vas parler à qui? Frère, Jésus? Non. Je vois comment il guérit les gens qui viennent malades, il les guérit instantanément. Je me dis, mais Seigneur, mais ces mains-là, en quoi? Elles n'ont rien. Tu poses seulement comme ça, là, tac, guérison. Je veux vous parler de ce Dieu qui guérit. Frère, je vous assure, il y a des noms des antibiotiques, quand vous le lisez, là, ça ne finit pas. Dexiglo, je crois, je ne sais pas quoi. Là. Tu dis, mais déjà, quelqu'un qui est malade, vous créez un médicament, vous fabriquez un médicament et vous le nommez bizarrement. Le malade, déjà, au lieu de simplifier les choses, faites seulement ABC, c'est bon? Le malade est déjà malade. Et vous les médicaments, là, glu, 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 glu. Frère, le malade est tellement, quand il lit ça, il dit, oh, mais qu'est-ce que ce médicament va faire dans mon corps? Qu'est-ce qu'il va produire comme effet? Je vais vous présenter le médicament de médicament, frère. Alléluia! Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que tout genou et toute langue que Jésus est. Oh, sida! Le sida fait peur aux gens. Sida, 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 sida. Tout le monde était là. Sida, sida, sida. Et on, n'est-ce pas, met en place un traitement efficace. La trithérapie. Oh, Seigneur, aide-nous. Qui croit que Dieu peut guérir des gens de sida?
Un frère est venu me voir un jour, il me dit, j'ai le sida. Je lui dis, ah bon, t'as le sida? Quelle nouvelle? Il dit, mais je suis jeune. Je lui dis, mais ça va aller. J'entends Dieu me parler à l'oreille, il me dit, fais-lui une onction d'huile. Je lui fais une onction d'huile. Je lui dis, va faire les examens et reviens me voir. Le frère avait tellement peur. Il est allé dans deux laboratoires différents, il est revenu, guéri. Ouais, le sida écoute Jésus. Frère, vous croyez quoi? Le problème là, c'est nous. Nous n'avons pas la révélation de Yeshua. Frère, si tu as la révélation de Yeshua, tu ne vas plus convoiter. Je te dis, tu n'auras même pas besoin qu'un pasteur te prêche sur la vérité. Si tu as la révélation de Yeshua, tu n'as plus besoin que quelqu'un t'enseigne sur les choses élémentaires de la vie chrétienne. Comment craindre Dieu, comment prier, comment adorer, comment aider son frère, comment aimer ses ennemis. Tout ça, frère, Yeshua te les enseigne. Toutes ces choses, il te les enseigne. Frère, je vais vous dire, si je tiens depuis toutes ces années debout, si je suis debout, c'est grâce à Yeshua. Parce que quand il s'est révélé à moi, dans ma chambre, personne n'était là. J'ai vu la beauté de cet homme. Frère, quand il se révèle à quelqu'un là, tu n'as pas besoin, la personne n'a pas besoin qu'on lui dise, mets-toi à genoux. Je m'étais retrouvé à genoux malgré moi, à genoux, en train d'adorer. Ma langue était déliée, je priais sans me rendre compte que je prie. J'adorais. Yeshua! Non! J'étais là, oh tu es Dieu, ah oh, tu es beau, ah oh, tu es Seigneur, ah oh, tu es toute une langue. Hein? Si Jésus doit arriver, par exemple, à Évry ici, je vous assure, une semaine avant, les démons sont déjà à genoux. Parce que les éclairs partent du ciel. Alors qu'il est encore assis sur son trône. Il y a des coups de tonnerre. Les démons, tous les démons d'Évry, de l'Essonne, de France, sont à genoux. En train d'acclamer. Mais personne ne leur a dit quoi que ce soit. Toute une zone est encerclée d'anges. Il n'y a plus de passage mystique. Les sorciers ne peuvent plus traverser, mes amis, cette zone-là. Elle est réservée. Et je vous assure, là, les démons, ils sont à genoux. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Porte, levez vos linteaux. Pour que le roi de gloire fasse... Alléluia! Alors, ceux qui entendent de loin cette parole disent, mais qui est ce roi de gloire? Pour que tout le monde soit à genoux comme ça. On dit, Yahvé, Yeshua. Frère, tu ne sais pas qui est Yeshua. Hein? Si tu as Yeshua en toi, je vais te dire une chose. Si tu as Yeshua en toi, ton sang devient amer. Si un sorcier, un vampire, essaye de goûter, même une petite goutte de ton sang, il va la vomir parce que c'est tellement amer. Ça va brûler sa langue. C'est pour ça qu'il est dit que grâce à son sang, nous avons vaincu Satan. Frère, le sang de Yeshua brûle. Hein? Ça brûle les liens. Je ne te parle pas de ce Jésus qu'on vous a présenté, qu'on nous a présenté dans les églises. C'est Yeshua, frère, qui ne guérit pas, qui ne sauve pas, qui est là tous les dimanches et qui vous dit, qui n'a pas sa dîme ici? Josette, présente, ah t'es là, c'est bien. Jean, présent, ah t'es là, c'est bien. Ce n'est pas de ce Jésus-là dont je vous parle. Je vous parle de celui qui était mort. Frère, il ne fallait pas le tuer. Ils ont commis une grave erreur. Il ne fallait pas le tuer. Ils l'ont tué, frère, mais la Bible dit que c'est lui-même qui a donné sa vie. Il s'est laissé faire. Pilate, le grand gouverneur, lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Frère, sous terre là-bas, les démons ont souffert comme ça. Dis à ton voisin, ils ont trop souffert. Satan, si vous le posez la question, comment ça s'est passé quand Yeshua était sous terre? Frère, il ne pourra même pas vous répondre parce qu'il a honte. Parce que pendant ces 3 jours-là, Satan était sur le ventre. Le démon est mort. L'enfer. Frère. Non, Yeshua. Frère. Baal est à genoux devant Jésus. Le dieu de la pluie, Baal. Vous savez ce qui s'est passé avec Jésus, entre Jésus et Baal? Posez-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus prend un homme du nom d'Élie. Il dit, Élie, viens ici un peu là. Il dit, va voir Baal là-bas.
le Dieu de la pluie. Dis-lui, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Alléluia! Ok, merci. Jésus envoie un simple homme. Élie va voir Akab, il dit, pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Akab dit, ah, tu vas voir, moi je vais parler à Baal. Élie va voir Baal. Il part voir Baal. Baal! Oui, quoi? Il faut envoyer la pluie. Frère, Baal essaye le gris comme ça, là. Le ciel était fermé. Quand Dieu ferme, le Dieu dont je te parle, quand il ferme quelque chose, là, hein? Baal a essayé pendant 3 ans et demi, Baal a transpiré, le ciel était fermé. Ensuite, Yeshua dit, Élie, allez, repars voir Akab. Ce jour-là, frère, il devait faire au moins 40 degrés, pas de nuages. C'est écrit, hein? Il n'y a pas de nuages. Frère, Élie était là à genoux. Il dit, Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, envoie la pluie. Frère, une fois, rien. Deux fois, jusqu'à 7 fois. À chaque fois, Élie envoyait son serviteur, il revenait pour lui dire, il n'y a pas de nuage, pas de pluie. Mais à la 7e fois, le gars, il revient vers Élie, il dit, non, là, là, la pluie s'annonce là. Et Élie dit à Akab, allez, tu peux rentrer. Frère, il y a une forte pluie. Dieu, Dieu. Une fois, il y a quelques semaines, on avait une réunion de la jeunesse. On m'a appelé pour me dire, ah non, il y a la pluie qui menace. Frère, ceux qui étaient là ont vu. Hein. J'ai dit, Seigneur, pas de pluie. Au nom de Yeshua. Frère, les nuages sont écartés. Le soleil, oh, alors que la météo avait prédit la pluie. Frère, Jésus n'a pas changé. Si tu savais qui tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu crains Dieu, si tu crains Dieu, ta parole est dangereuse. Femme ou pas. Parce que la parole en toi n'est pas femme, n'est pas homme. Dieu est esprit. Il nous faut des femmes dangereuses. Il nous faut des femmes qui ont la parole. Quand elles parlent, c'est Yeshua qui accomplit la parole, frère. Et ces femmes-là doivent être des femmes qui se sanctifient tous les jours. Qui est fatigué de sa vie terrestre? Alors, je veux te donner la solution. Frère, mon ami, Jésus présente Yeshua aux gens. Il dit, l'Éternel n'est pas comme les autres dieux. Il dit aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Alléluia! Qui veut servir Yeshua ici? Frère, choisissez qui vous voulez. Vous voulez suivre encore les hommes? Choisissez. Ce n'est pas mon problème. Mais j'ai pris la décision. Qu'il pleuve, qu'il neige, frère. Je suivrai Jésus partout où il me conduira. Quelles que soient les difficultés auxquelles il me fera faire face. Frère, je dirai oui à cause de son nom. Parce que je sais une chose. Frère, il est tellement fidèle. Jamais il ne va te décevoir. Jamais il ne va te délaisser. Jamais il ne va t'abandonner. Frère, Bouddha peut bouder, il peut te laisser. Tu vas parler à Bouddha, 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 Bouddha. Bouddha, il n'entend rien. Tu peux aller voir un pasteur, il va prier pour toi, ma soeur. Il va dire, je veux prier mon Dieu, il va se glorifier, tu vas voir. Amène une enveloppe, tu vas voir. Dieu va t'exaucer. Dans 2 mois, tu seras guéri. 3 mois après, la maladie s'est aggravée. Mais celui ou celle qui invoque Jésus de Nazareth, nul besoin d'aller à la cathédrale Saint-Pierre, je ne sais pas, ou à la basilique Saint-Pierre à Rome. Là où tu te trouves, dis à ton voisin chez toi, fais l'expérience. Chez toi. Dis, Jésus, je veux t'expérimenter comme on me l'a enseigné. Révèle-toi à moi. Tu verras. Il y a une onction nouvelle qui va tomber sur toi. Même ton pasteur sera jaloux. On va dire, mais attends, mais toi là, tu prophétises tout le temps maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais pasteur, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et ceux qui rencontrent Yeshua, on le traite de rebelle. On dit, non, mais toi, tu es rebelle. Mais tu n'es plus comme avant. Avant, tu étais sage. Avant, tu étais confortablement assis. Tu es une femme. Tais-toi. Que les femmes se taisent. On déforme les propos de Paul.
Il y a des femmes ici qui ont des ministères de prophétesse qu'on a étouffées, éteintes, frères, sœurs. Oh, laissez. Ça va venir. On va aller voir. Au moment où la France a besoin des prophètes, toi, tu es assis. Toi, tu as peur des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais tu ne vois pas tous ces gens qui meurent, qui vont à l'enfer? Tu es au courant. La vérité que tu as reçue, beaucoup ne l'ont pas. Et qu'est-ce que tu fais? La révélation de Yeshua va te changer. Philippiens, chapitre 3. Merci Seigneur. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yeshua le Messie, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont du mal à se détacher du monde. Beaucoup ont du mal, même beaucoup de jeunes, ils aiment le Seigneur, ils veulent l'aimer, mais ils ont du mal à se défaire du monde. Pourquoi? Ce qui manque, ce n'est pas tant la prière. J'ai connu des gens qui priaient, des jeunes qui pouvaient prier pendant 6 heures d'affilée. Mais tu apprends qu'ils sont liés à la masturbation, liés à la convoitise. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet état de choses? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simplement, mes amis, la révélation de Christ qui manque. Vous savez, la relation que Dieu veut avoir avec nous est basée sur la révélation de Christ. C'est tout. Ce n'est pas ton argent que Dieu cherche. Ce ne sont pas tes biens que Dieu veut. Dieu veut que tu reçoives la révélation de son Fils. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la révélation de la personne de Yeshua. Qui est Yeshua? Frère, je sais une chose, tel que je suis là, je ne peux pas pécher. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas pécher. Parce que je sais que si je le fais, mon Dieu sera blessé. Vous comprenez? Et je l'aime tellement que je ne veux pas le blesser. Donc, je ne pêche pas volontairement. Non, parce que j'ai peur qu'il me frappe. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Ce Dieu fouettard qui est là, qui attend, n'est-ce pas, que quelqu'un chute pour le frapper. Je ne vous parle pas de ce Dieu-là. Je vous parle d'un Dieu plein d'amour. Et son amour est tel que quand nous sommes touchés par cet amour, par lui, ben on refuse la compromission. Alléluia. On refuse la compromission. Frère, La personne qui est touchée par la révélation de Christ, par l'amour de Dieu, n'a plus besoin qu'on lui dise comment elle doit soutenir même financièrement l'œuvre de Dieu. Voyez? C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait « Laissons de côté les éléments de l'Évangile, tendons vers ce qui est parfait. » Frère, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne sur le combat spirituel. Pas du tout. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne sur comment aider un frère qui a les besoins. Non. La révélation de Christ m'a suffi pour comprendre cela. L'Esprit de Dieu me l'enseigne. Jean dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. C'est écrit ou pas? Voilà. Pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent-ils la foi? Pourquoi beaucoup retournent-ils dans le monde? C'est la révélation de Christ qui leur a manqué. Ils ont eu la révélation d'un pasteur. Ils ont été touchés par son éloquence, par sa manière de parler, de s'habiller. Mais ils n'ont pas rencontré Christ. Et le jour où le pasteur va les blesser, ils vont partir dans le monde. Ils vont repartir là-bas. Mais celui qui a eu la révélation de Jésus, quoi que les hommes lui disent, il restera dans le Seigneur. Il dira, je sais en qui j'ai cru. Mais celui qui n'a pas eu la révélation de Christ,
Lorsqu'un pasteur tombe dans un péché, il va trouver une occasion de chute. Il dira, non, mais comme lui est tombé, moi aussi je vais tomber.